soir, lorsqu'on prie à la maison, n'est-elle pas une prophétie ou une parole de connaissance? Ce qu'on reçoit à partir de la maison pour le culte qui va arriver. Par exemple, je suis là, je vois à l'église qu'il y a quatre anges. Quatre anges pendant le culte. Qu'est-ce que j'ai vu? Don du discernement des esprits. Ça, c'est pastoralement. Non, remets le micro. Oh, Jésus. Je priais aujourd'hui. Je dis à Dieu que mon Père prophétise pour moi. Ah bon? Ouais. D'ailleurs, je vais au passé. Je vois 2024, 2023. Du coup, oui. Nous parlons de la parole de connaissance. Oui, de la parole de connaissance. Bonsoir, papa. Bonsoir. En fait, vraiment, tu peux m'excuser d'être très strict? Oui, papa. On est sur un sujet. Sinon, je vais aller dans autre chose. Ça ne va pas beaucoup nous aider. Parce que je l'ai mentionné, le deuxième jour, vous avez essayé de flasher sur ces sujets-là. C'était une parenthèse, ce n'était pas le thème. D'accord. Hein, restons dans le thème, pas dans les parenthèses que j'ouvre, s'il vous plaît. Excuse-moi vraiment, c'est juste parce que je n'ai pas assez de temps. J'essaie de rester sur ce qui va nous profiter à nous tous. Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ma question est celle de savoir, est-ce que la parole de connaissance, on le prépare d'abord à la maison en prière ou soit on le reçoit directement lorsqu'on est, par exemple, devant l'assemblée? Est-ce que celle qu'on reçoit lorsqu'on prie à la maison n'est-elle pas une prophétie ou une parole de connaissance? Ce qu'on reçoit à partir de la maison pour le culte qui va arriver, est-ce que ça entre dans le cadre d'une prophétie puisque c'est un événement à venir? C'est très intelligent la question. J'espère que c'est comme ça que tu l'as posé aussi. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Ah, donc une parole de connaissance. Donc, quelque chose va arriver au culte le soir, mais je le reçois. Alors, je le reçois sur quelqu'un qui sera à l'église. Alors, quand je l'ai reçu, est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est une prophétie? Une parole de connaissance. Et puis, ça devient une parole de connaissance quand je suis sur place ou comment? Quand je suis sur place ou comment? C'est ça? C'est ça. C'est ça? C'est ça. D'accord. Le don de parole de connaissance est un don de révélation, parmi les dons de révélation, n'est-ce pas? Deuxièmement, le don de parole de connaissance fait partie de la catégorie que j'ai mentionnée comme étant les dons prophétiques. Donc Dieu révèle, c'est d'abord une révélation, donc un dévoilement de quelque chose qui est caché, mais quand Dieu révèle, ça peut être aussi quelque chose qui est futuriste. Sans pour autant être une prophétie, mais ça peut être prophétique. Par exemple, un couple a un problème sérieux. De manière psychologique, intelligente, je ne trouve pas la solution pour donner une sagesse afin de donner la paix dans le couple. Le problème est très sérieux. L'homme peut-être a eu un enfant avec une femme de la famille de la femme, ou quelque chose de... Voilà, des situations ambiguës comme ça, comme dans l'histoire de Salomon. Alors, je fais un rêve et Dieu me révèle ça, de comment je vais les conseiller. Voyez un peu. Est-ce que c'est une prophétie que Dieu m'a donnée? Non, c'est une parole de sagesse. Voir en avance quelque chose pour annoncer dans une situation futuriste ne veut pas dire que c'était une prophétie. J'ai reçu une parole de sagesse, mais que je vais donner en ce moment-là devant ces gens. Quand je donne la parole de sagesse, la paix vient, parce que la parole de sagesse vient pour apporter la solution qui amène à la paix sur une situation qui ne peut être résolue que par une intervention surnaturelle. La femme vient, elle dit que moi c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant, et paf, parole de sagesse. Qu'est-ce qu'il dit? Amenez-moi une épée et coupez l'enfant en deux. Voyez un peu, la femme adultère, Jésus dit, lequel d'entre vous tous ici, parce qu'on disait, la loi a dit, qu'est-ce que tu dis? On le piégeait. S'il allait contre la loi, on allait le lapider parce qu'on allait dire, lui qui parle comme un rabbin, comme un enseignant, il est en train de contredire la loi de Moïse. Ils allaient avoir le droit de lapider. Mais Jésus est allé autrement, il a dit, lequel d'entre vous? Ils ont tous laissé, ils l'ont laissé en paix. Parce que Jésus a libéré une parole de sagesse. Donc, ce n'est pas parce que
nous recevons une révélation en avance de quelque chose qui arrivera après, que c'est une prophétie. Non, c'est un don prophétique ou un don de révélation. Par exemple, je suis là, je vois à l'église qu'il y a 4 anges. 4 anges pendant le culte. Qu'est-ce que j'ai vu? Don du discernement des esprits. Parce que quand on voit les anges, nommément, c'est la manifestation, les démons, les anges, c'est le don du discernement. On a discerné quels esprits sont dans la salle. Ce n'est pas une prophétie que j'ai vue. J'ai discerné les esprits présents et le nombre et la localisation exacte de où ils sont à l'église. Et ce n'est pas parce que j'ai vu avant de venir à l'église que c'est une prophétie. C'est un discernement des esprits reçu à l'avance, mais que je libérerai à l'instant quand je serai à l'église. Quelqu'un m'a compris? Donc ce n'est pas parce qu'un don est exprimé avant le culte. Voilà. Et deuxièmement, ça dépend. Moi, il y a des services, je reçois des choses à l'avance. Comme par exemple ce soir, je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu, mais je suis prophète, je sais comment couler, naviguer, tout ça. Par exemple, pasteur Ramazani, je vois quelque chose sur lui. Voilà. Tu vois, comme je parle là seulement, je vois pasteur Ramazani, pasteur Ramazani, pasteur Ramazani, pasteur Ramazani. Va juste là où il est. Pasteur Ramazani, je vois, il avait raté un voyage pour le Canada. Avance, prophète. C'est ça? Tu n'as pas que raté quelqu'un et aller à ta place? Yeah. Tu as raté un voyage à Dubaï? Yeah. Quelqu'un allait à ta place? Yeah. On a l'habitude de prendre ta place, mais à partir de ce soir, yes. Je déclare, je n'ai pas entendu, mais je déclare, amen. On ne prendra plus ta place là où tu dois entrer. Amen. Et ça s'est fait à cause de la méchanceté des hommes. Yes. Là maintenant, je reçois la révélation. C'est vrai. La méchanceté des hommes et la manipulation des événements. C'est vrai. De certaines personnes qui refusent. Il y a toujours des gens qui prennent ta place. Ça, c'est pastoralement. Non, remets le micro. Oh, Jésus. Je priais aujourd'hui. Je dis à Dieu que mon père prophétise pour moi. Ah bon? Ouais. Faites attention à ce que vous demandez. Parce que je réponds à une question et puis, quand je me suis connecté à toi directement. Yeah. Parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai dit à Dieu que papa prophétise pour moi. Et je le fais sous le micro. Tu sais, je ne fais jamais ces choses non. À mes fils qui sont pasteurs. Yeah. Mais ton mariage est devant toi. Je reçois au nom de Jésus. Et la saison de se marier est en train de s'ouvrir. Je reçois au nom de Jésus. Et je prie que personne ne récupère la personne qui a été qui est sur ton chemin. Je reçois au nom de Jésus. Mais il y a quelque chose qui te... On te vole beaucoup de choses qui t'appartiennent. Oui. Moi, je viens de perdre beaucoup d'argent il n'y a pas longtemps. Beaucoup. La semaine passée, beaucoup d'argent. Beaucoup. Je vois au moins qu'il y a une histoire de perte. On te prend des choses qui t'appartiennent, tout ça. Il y a beaucoup. Ça a perturbé beaucoup de mes projets. Beaucoup d'argent. D'ailleurs, je vais au passé. Je vois 2024, 2023, yes. 22, yes. 21, yes. 20, yes. 2019, mm-hmm. 2018, mm-hmm. 2018, 2018. Tu travailles quelque part? Oui. Dans une boulangerie? Oui, Pain Shalom. Yeah. J'étais le directeur de production. Quelqu'un t'avait promis une tablette? Oui. Quelqu'un t'a donné la tablette? Oui. Et la tablette a créé des problèmes? Effectivement. Et là. Mon père. Effectivement. C'est là où tout a commencé, en fait. Là où tout a commencé. Il y avait aussi, même le voyage dont vous avez parlé, de Dubaï, Turquie. Ça a commencé à cause de la tablette. Parce que nous sommes à la télé. C'est la personne qui m'a promis, c'est quelqu'un de très connu. Donc, là où j'ai travaillé aussi, c'est... Pamela? Dieu te bénisse. Tu es là? C'est pas vrai? Ouais. 2000, il y a quelqu'un qui connaît cette histoire ici? Bon. Quelqu'un a levé la main? Ouais. Emiliana le connaît. Ah, tu connais l'histoire? Ouais. Elle me connaît très bien. Donc, à cause de la tablette? Oui. J'ai vu que ça t'a créé des problèmes. Beaucoup de problèmes. C'était à cause de quoi? De la personne qui te l'a donné, du prix que ça avait? C'était à cause du profil que j'étais. C'était à cause de ça. J'ai commencé à avoir beaucoup de l'influence chez la personne qui m'avait donné la tablette. Or, c'était pour le travail. Et beaucoup de gens autour? Et beaucoup de gens autour qui ont beaucoup de l'influence ont commencé à faire des jalousies.
Parce qu'après la tablette, c'était la voiture. Il y avait beaucoup de choses. C'est comme un mauvais vent autour de ta personne. Yeah. Il faut qu'on refuse ça. Je refuse cela au nom de Jésus. Et étendez les mains, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai vu ça. Il a prié aujourd'hui. Bon, étendez les mains. Seigneur, mets-toi à genoux, s'il te plaît, mon fils. Non, viens au centre. Mets-toi à genoux au centre de l'église. Oui, juste là. Étendez les mains. Seigneur, tu connais son cœur, tu connais ses besoins. C'est difficile ce par quoi il passe, de te servir, de t'aimer, d'être sous une telle onction, mais depuis des années, il ne fait que perdre. On le vole, on le remplace, on prend son argent, on prend ses opportunités. Ça ne va toujours pas pour lui, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, à partir de ce soir, donne-moi de l'huile. Courez vite, donne-moi de l'huile. Je ne vais pas aller dans le passé, sinon je vais aller voir jusque chez ton père, dans ta famille. Ce n'est pas important, je dois enseigner. Mais il y a vraiment quelque chose de familial qui te suit. Tu sers Dieu, tu crains Dieu, tu avances avec Dieu, mais il y a vraiment quelque chose. Et étends ta main ici, nous brisons ça. Je mets l'huile sur toi, mon fils. Dieu sait pourquoi c'est aujourd'hui et ce n'est pas dimanche. Je mets la main sur toi ce soir. Ramazan, nous te sortons maintenant de toute influence des esprits qui te volent, les esprits voleurs, les esprits ravisseurs. Comme à l'époque de Gédéon, on sème, on plante, mais d'autres viennent manger le fruit de notre récolte. C'est la semaine de la moisson de la Pentecôte. Sois libre au nom de Jésus. Récupère ton argent, récupère ton mariage, récupère tes enfants, récupère tes opportunités, récupère ce qui est à toi, récupère. Toi aussi là où tu es, commence à récupérer. Récupère au nom de Jésus. Receive a miracle.